Ah ouais, et au final, du coup, ma valise, elle est montée avec moi, vous doutez bien. Je l'ai gardée. Jamais elle serait partie en soute pour qu'il me l'abîme et qu'il me vole. J'ai pas confiance. Mais elle a beaucoup trop fait la belle. Je sais pas pourquoi elle a parlé mal. En fait, elle a ni bonjour, ni rien. Déjà, t'arrives avec. Avec 1 heure de retard, cousine. Excuse-toi. Désolé, nous sommes en retard, monsieur. Votre bagage, moi. Elle n'est pas venue du tout comme ça. En plus, moi, je suis archi. Franchement, je suis pas le mec chiant, je suis archi cool. Vraiment, je suis archi, archi cool sur ça. Là, elle a voulu parler trop de manière agressive. Je vous jure, je peux pas vous dire vraiment ce que je lui ai dit parce que je me suis emballé. Elle me regardait comme ça. Mais au moins, la prochaine fois, ça lui apprendra. C'est ça le problème. En fait, on arrive, mais là, on est de bonne humeur. Vous avez un peu de retard. Enfin, un peu, beaucoup de retard. Mais vas-y, c'est pas grave, c'est rien. C'est pas grave. Vous y parle bien, regardez. Parle vraiment bien. Parce que sinon, ça va mal aller. Et c'est mal aller, je vous. En plus, on m'expliquait ce principe de. Tu payes un billet, mais t'as pas le droit d'avoir de bagages en cabine. Je paye un billet, je l'ai payé combien? Je l'ai payé 300 euros mon billet quand même. Pour un Nice Paris. EasyJet. On va où? Et en plus, ça m'a fait. Ça m'a fait trop rire parce que les gens derrière moi, ils étaient autant énervés que moi. Quand je parlais de ça, ils me disaient ouais, t'as raison, bah ouais, j'ai raison. La gouffre, comme moi, elle parlait tellement mal. Moi, je disais, mais là, c'est de votre faute. C'est vous qui m'avez laissé. Je suis arrivé jusqu'à la porte d'embarquement et vous me dites maintenant, il fallait mettre ma valise en soute. Il fallait faire votre travail quand j'étais au comptoir. C'est pas maintenant. Je leur ai dit, c'est de votre faute, là, il faut trouver une solution. Moi, ma valise, elle va jamais aller en soute. Ma valise cabine ne ira jamais en soute. Si vous me volez un truc, je me retourne contre le DJ. Bref, au final, elle m'a bien pris la tête, cette petite chose. Et j'arrive plein de nerfs. Et ça va, j'ai pu un peu dormir dans l'avion. Mais les gens, ça va pas. Bien sûr, je préfère. J'ai vu là dans les messages, ils disent ouais. J'ai vu un message. Attendez, je vais vous le mettre le message. Je vais vous le mettre. Ce message, ouais, mais quand t'as pas les moyens, c'est bien pratique. On veut pas tous prendre déjà un billet Nice-Dubaï avec Emirates, c'est 500-600 euros. Là, Nice-Paris, 340 euros. J'ai envie de te dire, je rajoute 200 euros pour aller à Dubaï, je préfère. Franchement, je préfère. Et ouais, Emirates, archi mieux carrément. Emirates, quand tu rentres, les hôtesses, elles sont trop agréables. Que tu sois en éco, business, first ou même dans la soute, même si tu voyages dans la soute. Voilà qu'elles sont archi agréables. Là, elle est agressive parce que peut-être elle devait finir à 21h, elle a fini à 21h15. Ça va pas, hein, la cousine, voilà, ça va pas.